Oui, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Stage 1. Nous allons parler aujourd'hui d'Harry Potter, l'adaptation Lego d'Harry Potter, donc Harry Potter années 1 à 4. Donc vous voyez, tout est en forme de Lego, les personnages et les moindres figurants, les objets, tout est en Lego. C'est un mode de jeu comme Batman, il a existé Indiana Jones en Lego, j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Donc voici, donc là c'était juste l'annonce, mais je trouvais ça joli, donc je l'ai mis. Donc voilà, Harry Potter Lego, appuyez sur une touche, donc je vais charger ma partie parce que j'ai déjà commencé à jouer. Voilà, chargement. J'ai fait la première année, et là normalement on devrait atterrir sur la deuxième année. Donc il va y avoir la cinématique, je vais vous la laisser. Parce que c'est vachement comique, ils sont arrivés à faire quelque chose de très joli. Donc là, le chaudron baveur, c'est l'endroit de base où c'est qu'on est ramené à chaque fois qu'on démarre le jeu et ensuite on continue l'histoire. Voilà, donc je vous laisse la cinématique. Hein. Donc voilà, vous remarquez que voilà, ils ajoutent une touche assez comique à toutes les actions, à toutes les tous les moments du tous les moments du jeu, de l'histoire. Voilà, un peu à la voiture qui s'en va, c'est assez bien fait. Donc voilà, on est arrivé. Donc la deuxième année commence. Voilà, Ron, il a cassé sa baguette. Voilà. Donc nous allons commencer. Attention, où allons-nous commencer? Dans la cour, le château de Poudlard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, voilà, on va casser un peu tout ce qu'il y a pour récupérer des petites monnaies qui sont les mêmes dans tous les jeux Lego, hein, les adaptations. C'est les petites monnaies donc argentées, dorées ou bleues. Quand les bleus rapportent 1000, argent 100, argent 10 et or 100. Voilà, donc on a les sorts. Les sorts que j'ai appris jusqu'à maintenant, qui se suivent, hein. Donc c'est les sorts que j'ai appris l'année dernière dans la première année. La cape d'invisibilité. On peut se promener, voilà. Chouf. On met Lumos, ça c'est peut-être la lumière pour chasser les plantes vivantes qui sont pas belles là. Dans le premier épisode, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, je tire un peu dans tout ce que je peux parce que je ne sais pas quoi faire. Tiens, on va essayer de récupérer la pièce bleue, mais... Ça veut pas. Est-ce qu'il y a un truc dans le mur? Non. Non, non. Ah non, ça veut pas. Rien, il doit y avoir une astuce pour l'avoir quelque part. Comment je peux faire? Non. Est-ce que je peux viser? Est-ce qu'il n'y a pas une cible? Non. Rien du tout. Ah. Par contre, j'ai visé une plante 1 sur 10. Non, ça veut dire que quelque chose doit se passer quand je fais sortir les 10. Encore faut-il pouvoir avoir les 10 ou les voir du premier coup parce que c'est souvent caché. Ah là, il y a une chaîne. Donc il faut que j'aille par là, la flèche bleue m'indique qu'il faut que j'aille par là, il y a une chaîne que je ne peux pas tirer car je n'ai pas assez de force. Donc voilà, donc le problème pour l'instant est toujours le même. Ah tiens, je peux réparer ce chariot. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va aller casser la porte? Non? D'accord, il allait se briser en 1000 morceaux. Donc déjà ça sent là-bas la porte, on ne peut pas y aller encore. Les coffres qu'on ne peut pas ouvrir, vous voyez les petites étincelles rouges parce qu'on n'a pas le sort qu'il faut. On ne l'a pas encore appris. Ah, donc voilà. On peut réparer le chariot. Qui nous fait? Qui nous fait? Qui nous fait? Je parie à 1. Voilà. Ça, c'était sûr. Voilà, pour pouvoir choper la pièce, il fallait aller. Ah. Ils ont fait ça au poil de... Ah là là. Allez, voilà. Ça y est, je l'ai eu. Alors, continuons le petit tour. Continuons, continuons. Il doit y avoir forcément quelque chose de caché que je n'ai pas vu qui permet de passer. Ce sont les pièces, ça c'est les fantômes qui laissent ça sur un passage. Un coffre que je ne peux pas ouvrir non plus. Pourquoi? Je ne sais pas, j'essaie de tirer dessus, ça marche pas. Ah, tiens, un chaudron. Ah bah voilà mon explication. Un chaudron, il y a trois ingrédients autour. Voilà qui tourne.
C'est pour savoir, en fait, il faut que je réunisse les trois ingrédients pour avoir ma potion. Cette potion va me donner de la force qui me permettra de tirer la chaîne. Voilà, le premier est résolu. En fait, c'est Rogue, dans un de ses cours, il nous a appris à faire ça, et depuis, on croise des chaudrons de temps en temps. On croise des chaudrons, et donc il faut réunir les ingrédients, là. Alors, un ingrédient, déjà. Fallait le trouver, quand même, celui-là, déjà. Ensuite, qu'est-ce que c'est là-bas? La poubelle, là, c'est quoi, ça? D'accord. Ok, ça aspire les mauvaises herbes. Ok, tout à fait, tout à fait. Continuons, continuons. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Si ça sert juste à aspirer la mauvaise herbe, ça m'étonnerait. Ça doit bien servir à quelque chose. Ok. Ok, très élégant. Ah là, ah là, elle nous crache un peu des pièces. Et le petit ingrédient qui va bien. Et il m'en manque un. Alors, où c'est qu'il va être celui-là? Dans quoi j'ai pas jeté un sort encore? Où c'est que je ne vais pas jeter un sort? Non, ça on peut pas, on peut pas, on peut pas. Y'a rien, y'a rien. Voilà. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah voilà, ça y est. Lui, il m'a donné mon ingrédient qui va bien. Le voilà. Allez. Hop, 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 hop. On met dans la mixture. Blou, 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 blou. Allez, on boit un petit coup. Chou. Attention, Superman. Hop. Et allez, on va tirer cette petite chaîne. Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Donc voilà. On est arrivé à passer le niveau. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce niveau-là. Parce que la vidéo est déjà bien assez longue et bien assez lourde. Et les niveaux sont très longs. Et là, on a eu de la chance. En tout cas, merci bien de suivre mes vidéos sur YouTube. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça pourra m'aider pour les prochaines. Et puis je vous dis à la prochaine. Hein. J'en ferai une autre très bientôt.